Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour la période du 7 au 14 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonné pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Abonnez-vous massivement s'il vous plaît. On essaie d'avoir un trophée ici. Thank you so much. Ok. Est-ce que je veux dire d'autre? Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo pour pouvoir recevoir votre guidance. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les lions. Angels, please give me a reading for my Leo's energy. Angels, please give me a reading for my Leo's, please. Leo's energy, April 7th through the 14th. Please give me a reading for my Leo's. Leo's energy, April 7th through the 14th. Thank you. In regards to the love life. In regards to the love life, please. Thank you. 7th through the 14th. Ok, so, les lions. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous êtes actuellement ici dans une situation où vous avez décidé d'abandonner. Vous avez décidé d'abandonner quelqu'un. J'ai l'impression que vous avez ici décidé d'abandonner deux partenaires. Si vous étiez en couple, vous venez de vous séparer. Si vous aviez des prétendants, vous venez ici d'abandonner. On a ici quelqu'un qui n'a plus envie d'être en couple avec une autre personne. On a ici quelqu'un qui n'a plus envie de. Qui n'a plus envie de travailler sur une relation. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir un partenaire, vous pouvez ici avoir affaire à deux personnes, right? So, on a ici l'une de ces personnes-là qui habite à distance de vous et on a ici la deuxième personne qui n'habite pas vraiment très loin de chez vous. J'ai l'impression que vous ne voulez même plus être avec ni l'un ni l'autre, ça vous fait ni chaud ni froid. Je suis fatiguée d'investir mes émotions dans une relation, j'ai l'impression que voilà, ce n'est pas réciproque. Je ne comprends pas pourquoi l'amour doit faire si mal. Je ne comprends pas pourquoi l'amour doit être si compliqué. Tout ce que moi je veux, c'est juste un amour réciproque. Et si tu n'es pas ici capable de me donner l'amour que je demande de toi, donc c'est pas la peine qu'on soit ensemble. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous avez carrément ici décidé de rester célibataire. Vous voulez rester célibataire, vous voulez vous concentrer sur votre argent, sur votre travail, sur votre stabilité. Je vois ici quelqu'un qui veut s'acheter de nouveaux habits. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est bizarre. C'est un peu comme si dès que vous avez ici décidé de fermer la porte à deux prétendants qui vous suçaient toute votre énergie, c'est un peu comme si la porte de la prospérité, la porte de l'argent a commencé à s'ouvrir dans votre vie. Vous avez commencé ici à recevoir tout ce dont vous aviez besoin depuis si longtemps quand il s'agit ici des finances. On est ici dans une situation où vous vous sentez stable financièrement. Vous avez l'impression que vous pouvez vous en sortir sans réellement avoir besoin d'être en couple avec une personne en particulier. Over here. Pour d'autres, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. À vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme, parce qu'il est probable que ce soit votre partenaire qui ressent tout cela, à votre sujet.
Mais après, c'est une partie d'entre vous. Si jamais vous avez décidé de laisser tomber deux personnes, il est probable que ces deux personnes-là n'aient carrément aucune envie de laisser la relation se dissiper de cette manière. Je vois ici deux personnes qui veulent tout faire pour vous récupérer alors que vous êtes parti. Pour d'autres, c'est peut-être même ici le fait que vous avez ici décidé de laisser tomber certains membres de votre famille parce que vous avez l'impression qu'ils ne vous comprennent pas. Mais je vois ici des gens qui ne veulent pas vous laisser partir, des gens qui veulent tout faire pour vous récupérer. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est docteur, médecin ou chirurgien, ou pharmaciste, c'est français, là. Pour cette partie d'entre vous, parmi vos deux prétendants, je vois ici quelqu'un qui cherche votre adresse. On a ici quelqu'un qui cherche votre adresse. On a ici quelqu'un qui veut savoir où vous habitez. On a ici quelqu'un qui veut vous parler et qui a l'impression que pour vous parler, il faut absolument qu'il réussisse à trouver votre adresse. Il est probable que vous avez ici décidé de vous séparer et de laisser tomber un homme divorcé ou encore un homme veuf. Je vois ici quelqu'un qui est veuf ou divorcé. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici amoureux d'une personne qui a des problèmes avec les membres de sa famille. Si vous vous demandez pourquoi vous et votre partenaire, vous ne pouvez pas être ensemble, ou encore pourquoi votre partenaire a changé envers vous, c'est peut-être parce que votre partenaire n'est pas d'humeur actuellement pour être dans une relation. Vous avez sûrement votre partenaire qui a des problèmes avec les membres de sa famille. Et pour cause de cela, ne veut même pas même entamer une relation. On a ici quelqu'un qui a envie d'être célibataire. Puis c'est une partie d'entre vous. Je vois ici quelqu'un qui a fait vraiment l'école de doctorat. C'est peut-être doctorat. Docteur. On a ici quelqu'un en tout cas qui a fait la grande école déjà. C'est quelqu'un qui est vraiment très 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 diplômé. Hein? Je vois ici quelqu'un qui est un chercheur, etc. Qui veut vraiment revenir dans une relation avec vous. Ne pars pas, reste avec moi. Pour une autre partie, non, vous avez ici l'impression que vous êtes trop préoccupé par certaines de vos responsabilités financières. Et que si jamais vous retournez encore dans les bras de quelqu'un, dans les bras de votre ex, ou dans les bras de ces prétendants-là, avec qui vous aviez pourtant l'impression que vous aviez beaucoup de chance pour avoir une relation, vous avez ici l'impression qu'au fait, vous risquez de perdre concentration sur les choses qui sont les plus importantes. On a ici quelqu'un qui a beaucoup de factures, on a ici quelqu'un qui a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici l'impression que votre partenaire ne vous aide pas financièrement. Et ça, c'est vraiment une situation ici qui vous pousse à ne pas vouloir être avec lui ou encore ne pas vouloir être avec elle. Si tu n'arrives même pas à m'aider financièrement, voilà quoi. C'est juste que tu ne me sers à rien. Bon, c'est pas la peine de parler, c'est pas la peine de communiquer. C'est pas la peine d'essayer. Ça ne passera pas. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous essayez ici d'économiser de l'argent pour soit vous acheter une nouvelle maison ou encore économiser de l'argent afin de pouvoir garder une maison qui vous appartient déjà. Mais si jamais vous avez ici décidé de laisser tomber un homme divorcé, je vois ici quelqu'un qui a un perroquet, quoi. Soit la personne a un perroquet, soit la personne est américaine, you know? Bye. Ou dans l'armée. Bah, si vous avez ici décidé de laisser tomber un homme, qui est peut-être Verseau, ou Gémeaux, ou Balance, il est probable que vous ayez ici ce dernier-là qui est vraiment écœuré et blessé.
blessé de vous voir l'abandonner. Pour une autre partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici quelqu'un qui se sent seul. Comment tu m'abandonnes? Comment tu me laisses comme ça? Comment tu ne veux plus de moi? Tu ne veux plus me parler? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On va essayer de voir un peu si jamais vous allez donner une deuxième chance ici à votre partenaire. Est-ce que votre partenaire va savoir apprécier cette chance-là que vous voulez lui donner pour recommencer une relation? Ok. Donc, si vous voulez avoir accès à la suite, c'est le premier lien juste en bas. Et pour une consultation, c'est le deuxième lien. On a ici les, comme j'avais dit là, Gémeaux, Balance, Verseau, Vierge, Taureau, Ascendant, Bisous, bye.